Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Way of the Enter les amis, pour la suite de l'histoire de Lynn Tukuto Reserve. Peut-être la fin, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire les amis. Je ne pourrais pas vous dire. On va prendre la mission tout de suite, sans plus attendre. Et la mission c'est Lars Vetsa. Il y en a pas mal des missions quand même, il y en a un petit peu plus que je... Enfin, je trouve qu'il y a plus de missions que sur les autres réserves. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, que j'avais fini le mode histoire en 4 vidéos. 4 vidéos, oui. Et là ça va être la cinquième et toujours pas fini. Bon, vous me direz, tant mieux, hein. Tant mieux. Bon, pour l'instant, je la trouve, ça va. L'histoire, ça va, je trouve. C'est... Je la trouverais un peu mieux intéressante que la map précédente, que Matariki Park. Je donne mon avis. Après vous, je ne sais pas, mais... Bon, on va accepter l'histoire tout de suite. Enfin, l'histoire, la mission tout de suite. Quand vous m'avez demandé pourquoi j'aime les reines, j'ai été pris de court et je n'ai pas su m'expliquer. Et puis vous deviez déjà connaître toutes ces anecdotes, mais vous avez eu la gentillesse de me laisser radoter. La vraie raison est assez drôle. En résumé, c'est un reine qui nous a apporté les alliances à mon mariage. Ouais. Ma femme les adore, alors je lui ai fait la surprise de lui trouver le porteur le plus mignon possible. Et eu du mal à retirer les alliances de ses bois. Mais c'est un souvenir que j'ai chérirai toujours. Mais assez parlé de ça. Je me suis senti à la traîne quand vous avez eu le reine albinos. Et vous n'allez pas le croire, mais quelqu'un a aperçu un reine à la robe Pi. Ah, un reine Pi, hein. C'est tellement rare que je ne peux pas m'empêcher de rire quand je pense à la chance que c'est. Et comme vous avez la chance d'être mon nouveau compagnon de chasse, je vais vous indiquer l'endroit. Ah, cool. Vous vous demandez peut-être... Pourquoi un tel collectionneur de reines rares vous donnerait cette information? C'est que ça sert à ça, les amis. Et puis en vrai, j'ai déjà un pi dans ma collection. Ne passez pas à côté de cette chance. Ah bah c'est cool, un petit reine pi. Par contre, on fait que des reines. Bon, pourquoi pas. Rendez-vous à la dernière position connue du reine pi. Est-ce que j'ai les bonnes armes? Déjà, pour commencer. Non, déjà, il faut que j'enlève ça. Déjà, il faut que j'enlève ça, il faut que je prenne des carabines. La bonne carabine, quoi. Parce que celle-là, je l'ai laissée, la 223. Quelle arme je pourrais prendre? Ça, c'est du niveau... Ouais. Non, ça, c'est pas trop mon style. C'est la 9362. 5 et 6. Ça laisse les munitions, c'est pas mal. Je trouve... Je trouve que c'est pas mal. Excusez-moi s'il y a ces bruits derrière. C'est mon SSD qui... SSD externe qui fait des siennes. Oui, là on est bon du coup. Oui, non, en fait... Je suis pas mal. Est-ce que ça a mis... Ah, ça a tout mis. Parfait. Ça a mis la lunette de tir. Ouais, parfait. La peau, on l'a ici. Oh, c'est parfait, ça. Et où c'est que c'est, la zone? Ah, bah la zone, c'est ici. Ah, mais comme par hasard, il n'y a pas de lodge. Il y en a une là, lodge. Bah, ce qu'on pourrait faire... on va se téléporter ici. Hein. Par contre, j'ai pas acheté la zone. Ouais, voilà, autorisation de chasse requise. Ouais, j'ai pas acheté la zone. On va se mettre un petit point ici. On va y aller en buggy. Hein. Enfin, vous avez compris. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais, moi? Il est où, le... Non, c'est là. Je suis con. Voilà. On va y aller tout de suite. C'est parti. Alors pour ce qui est des baisses de FPS, là je suis à 25 FPS, c'est pire en pire. Pour ce qui est des FPS, je suis allé sur les autres maps, un petit
Tika Moonplane, la Matariki, la dernière map qui est sortie en début d'année. Là. Je tourne aux alentours de 70-80 FPS constant. Là, sur certaines zones de cette map, je descends à 25-30 FPS. C'est incompréhensible. Dites-moi si ça vous fait pareil à vous, qui jouez sur PC. Après, sur console, on peut pas trop voir. Mais dites-moi pour ceux qui jouent sur PC si vous avez le même problème que moi. Parce que j'ai testé sur Tika Moonplane. Sur Tika Moonplane, il y a des grandes zones ouvertes comme ici. Je tourne aux alentours 70-80 FPS. Sur Matariki Park, pareil, il y a des grandes zones ouvertes comme là. Je tourne aux alentours de... Pourtant, c'est Matariki Park, c'est assez boisé un peu comme là. Hein. Ben, je tourne 70 FPS, 80, et là 30 FPS. Dans les zones ouvertes sur cette map. Hein. Les zones fermées, ça, je suis à 80 FPS sur cette map. Mais alors, les zones ouvertes, je comprends pas. Hein. Faut m'expliquer. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour, parce que là, c'est un peu chiant. Ouais. Et est-ce que je vais pouvoir chasser, même si je... Ouais, ça fait partie de la mission, on dira. Bon. On n'est pas loin. Ah, franchement, c'est incompréhensible. Ah. Tard. La dernière position, ça veut dire que faut pas que je fasse peur, quoi. Enfin, du coup, je vais descendre. Parce qu'à mon avis, il faut... Ah, qui c'est? Vous êtes censé demander quelle raison absurde pourquoi elle ne me parle plus. Ouais. Allez, oui, blablabla. Ça blablate, ça blablate. Of a reindeer with lanterns and other trash caught in its antlers. Can you believe that? I don't think I follow. You see, the reindeers become quite famous with some merchandise. Là, par exemple, je suis à 80 FPS. Making up stories about it. So I told on voit que ça rame. Je me retourne, je suis à 27 FPS. C'est bien, hein? Je me mets là, 74 FPS. Moi, je sais que c'est une zone ouverte, là, mais il faut pas abuser, quand même. Hein. Franchement, qu'ils optimisent bien leur map avant de la sortir, hein. Enfin, je sais pas, mais bon. Là, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... je sais pas. Je sais pas du tout. Merde, j'ai même pas vu ce que c'était, ça. J'ai l'impression que c'est un peu du travail bâclé. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, la map est plutôt stylée. Bon, elle est pas exceptionnelle, mais bon. Il y a mieux, hein, me direz-vous. Mais elle est pas mal. Pas mal. Il y a des grandes zones ouvertes. Bon, au niveau des espèces chassables, c'est un peu les mêmes que les autres. Malgré qu'il y a le lynx, en plus. Ça, c'est du daim, on s'en fout. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a des rennes là-bas. Il y est pas dans l'eau, là? Non? Prélever un renne de montagne mâle. Ah oui, mais là, il faut prélever un renne des montagnes mâles à la robe pie. Ouais. Oui, d'accord. Ok, d'accord, oui. Tout à fait. Alors. Voilà, des mouflons. Où c'est qu'il est, le petit renne?
Où c'est qu'il est le petit renne? Peut-être de l'autre côté ou peut-être par là. Ouais. Ça se voit, hein, la couleur pisse et... Il serait au bord de l'eau. Il est pas au bord de l'eau? Même pas au bord de l'eau? Bon... Où c'est qu'il est le petit renne Pi? Où te caches-tu? Ah ah ah, il est là! Regardez, il est là! Il est là le coco! Il est là le coco! Mais oui, il est là! Il est là! Il est là, il est là! Bah oui, mais cache-toi pas derrière les branches, espèce d'idiot! Il est beau par contre, hein. Il est à 150 mètres, c'est faisable. Et ce... Ah, il est vachement joli. Hein. Si tu peux te sortir des branches, là, ça m'arrangerait. Hein? Parce que là, je te vois pas. Hein. Là, je suis pile poil 150 mètres. Ah, voilà, comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très, très bien. Par contre, arrête-toi maintenant. Arrête-toi. Il y a un peu de travers quand même, je trouve. Si je me mets comme ça, là. Ah, voilà. Non, mais arrête-toi. Mais tu vas t'arrêter, oui. Non, je l'ai pas. Ah, il y a une bonne tache de sang. En tout cas. Mais je sais pas. J'ai un doute. Pourtant, j'ai tiré poumon. Enfin, j'ai essayé de tirer vers le poumon, vers cœur poumon. Mais bon, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ça, c'est mouflon. Il est vachement joli. Hein. Vous voyez, on voit la différence entre le pi, il est blanc et noir. Avec des taches, un peu des taches noires, quoi. Mais je sais pas, ouais. Attendez, on va effacer le bleu là. Mais je sais pas. Si j'ai mis une bonne balle, j'ai vu qu'il y avait une bonne tache de sang. Après, après, voilà quoi. Est-ce que j'ai bien touché ou pas Là est la question. Il y a une bonne. Ouais. Quantité de sang moyenne, bulle d'air. Bah, j'ai touché les poumons. Bon, ça c'est bon signe. C'est bon signe, j'aurais préféré qu'il tombe net, mais bon, on peut pas, voilà, j'ai essayé, hein. La dernière fois, c'était bien passé, deux, il a pas dû aller bien loin, je pense pas, on va le suivre, alors, il va peut-être se relever devant moi. Mais je préfère pas lui tirer une deuxième balle. Parce que je pense que la balle que je lui ai mise, ça suffit largement. Donc bon, voilà. Allez, là-bas. Il est là-bas. Hé hé hé. Regardez-le. Regardez-le s'il est pas beau. Il est joli, hein. Bien. Ah oui, joli. Joli renne Pi. Regardez la couleur. Ça fait un peu couleur dalmatien. C'est joli. Allez, go. On va voir ce que ça donne. On va l'empailler, celui-là, hein, bien sûr. Hein. J'ai mis la balle où? Regardez. Encore une fois, hein. J'aurais tiré légèrement... Hein. Regardez. Ça a touché un peu le cœur, hein, enfin l'artère du cœur, du moins.
J'aurais tiré légèrement vers la droite. J'aurais pu faire quelque chose de bien. Ah, mais c'est une bonne balle. Hein. Au niveau de l'épaule, où il y a le cœur, c'est parfait. C'est un 5 étoiles en plus, que demande le peuple. Pi. Pi, 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 pi. Taxidermie. C'est parfait. Informez Lars de votre chasserie. You were right about the location. I've got the piebald reindeer. What? Oh, the piebald. I've got my eye on On va laisser parler. Mais franchement, c'est dommage que ce soit encore un renne, parce que la dernière fois c'était un renne albinos, ça c'est un renne pi. Bon, bah écoutez. Lisez votre liste de choses à faire aujourd'hui. Ok. Il faut qu'on parle de Foley. Alors, où c'est qu'il faut aller? Il faut retourner à la Casbah ou. Il faut aller où? Oui, d'accord. Hein. Lisez votre liste de choses à faire aujourd'hui. Oui, mais il faut le dire où? Ici? J'imagine. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'espère que vous aimez ces vidéos du mode histoire, les amis. Moi, je fais à chaque fois, à chaque map, je fais des vidéos sur le mode histoire. Hein. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, mardi à faire. Mesurer la taille des populations dans l'habitat des marais. Ne pas répondre aux mails inutiles. Essayer de passer une bonne journée. Mercredi à faire. Aider le propriétaire d'Igloo désespéré avec ses histoires d'investisseurs louches. Chasser avec la fille qui se sent seule. Organiser une séance d'observation des étoiles sur les pour les enfants de l'Intokoto. Préparer un quiz d'anecdotes sur les animaux. Essayer de passer une bonne journée. Jeudi à faire. Faire des recherches sur les étapes du deuil. Surveiller la présence de serpents sur le sentier de randonnée. Trouver combien de rumeurs Arthurie a fait courir sur moi avant mon arrivée. 24, oui. Essayer de passer une bonne journée. Vendredi à faire. Mesurer l'activité des prédateurs dans la région des Highlands. Essayer de passer une bonne journée. Ok. Prélever un loup gris et un renard roux. Ah, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini, les amis. C'est pas fini, c'est pas fini. Faut prélever un loup gris, un renard roux. Ben, j'ai la 223 pour le renard et loup, j'ai la 932. C'est parfait, les amis. Bon, mais il faut essayer. Ah oui, ce que je voulais faire, c'est m'acheter la. Ah, mais peut-être que j'aurais peut-être pas besoin. Je pense que quand j'aurai fini la mission principale, ça va me débloquer cette zone-là. Je pense. Oui. Alors, j'ai des sous, hein, mais bon. Je vais voir, à mon avis, ça va la débloquer. Ça va la débloquer par la suite. Des renards roux, c'est qu'il y a des renards roux. Des renards roux, il y en a dans le nord, des renards roux. Comme par là, par exemple. J'ai beaucoup plus vu des renards arctiques que des renards roux. Hein. On va aller chercher un renard roux. Les renards roux. Les renards roux, ils sont. C'est du niveau 3 le renard roux. Quelle heure il est dans le jeu là. On va faire une petite sieste. Voilà. Ce que je vais faire, je vais me téléporter ici. Il y a une zone où il y a des renards roux. Alors bon. Ah. Mikhail! Yes, Vega. Is everything all right? The investor answered. He's willing to support my project. C'est ici. On va se mettre un petit point. Congratulations. He sounded sketchy, but it looks like I was just being pessimistic. Blah 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 blah. There's still one condition. I'm going to need the famous reindeer, Will of the Wisp, as a mascot. Why do you sound so down? It's a great mascot, isn't it? Yeah, but he wants to use Tranquille. His dead body to decorate the entrance. Is that Yannicka with you? Yeah. I came to ask her if she knows where Will of the Wisp moves around in Lintogoto, since she has him painted on her cabin, you know.
It's the dumbest idea I've ever heard. Why the hell do you need a dead creature to welcome guests? It's called taxidermy, Miss Vessa, and it wasn't my idea. I shouldn't have come to ask her. Bon. Alors, le renard. Où c'est qui sont les petits renards? On va aller essayer de chercher ça, les amis. Alors, les amis, là, j'ai... Il y a des loups juste en face de moi. Ils sont entre 180 et 200 mètres. À mon avis, ils sont derrière la butte. Mais le problème, c'est que... Si je m'approche trop après, j'ai peur de les faire fuir. Alors, est-ce que j'en fais venir un à côté de moi ou je m'approche tout doucement jusqu'à qu'ils viennent? Parce que là, je les vois pas d'où je suis. Ils sont derrière. Ouais. Alors, est-ce que je m'approche jusqu'à qu'ils viennent? Jusqu'à que je le voie, du moins. Ou est-ce que je les appelle pour les faire venir, quoi? Je peux essayer d'en faire venir un, à la rigueur. Je peux tenter le coup. Hein. Il y en a un qui peut venir, hein, on sait pas. Hein. C'est une femelle. Elle n'aura pas fait le mâle, mais bon. Ça me dit de prélever un loup gris. C'est pas précisé si c'est un mâle ou une femelle. Hein. Alors bon, voilà quoi. Ça serait mieux que ce soit un mâle. Mais bon. Pour ce qui est du renard, j'ai pas taillé à en trouver, mais bon, j'en ai pas trouvé. Alors je suis passé sur le loup, mais je repasserai sur le renard après. Hein. Est-ce qu'ils vont venir? On dirait qu'ils s'approchent. Alors on va faire un petit coup d'appau. Ils ont pas l'air de bouger. Bon. Alors on a des traces de... C'est du loup ça. C'est ça. Ils sont entre 140 et 160 mètres. Bon, pour l'instant, je les vois pas. À mon avis, ils sont derrière. Je pense. Est-ce qu'ils entendent mon appau? Mystère, mystère. Ah, regardez, il est là. C'est une jeune femelle. Bon, vous me direz, hein. Mais d'ailleurs, il n'y a que... Il n'y a que la femelle qui est venue. Moi, je sais plus, je dois pas avoir la bonne. Pourtant, je suis niveau 5. Hein. Pourtant, c'est. Ah, bah, je l'ai vu. Mais bon, comme je suis prêt, vous avez vu, vous avez 4000, plus de 4000 joules. Pourtant, c'est bien des munitions niveau 5. Mais comme je suis prêt, du coup, voilà quoi. Il y a plus de puissance. Mieux t'es prêt, mieux il y a de puissance. Hein. Et mieux tu t'éloignes, mieux la balle ralentit. Hein. Elle perd en puissance, quoi. Quand tu tires loin. Quand tu tires à longue distance. Alors. Cœur. C'est une femelle. C'est une femelle. J'aurais pu essayer avec la 223. La 223, ça aurait pu faire à cette distance. Mais bon. Vendre. Ah. Michael, I need your help. J'ai besoin de votre aide immédiatement. I'm listening.
J'écoute. Vous vous souvenez du rein de poubelle? Ouais, de m'en envoyer une photo avec sa localisation. Quoi, tu es le... Quoi? I don't think I can do it. What? Why? There are too many people interested in that reindeer right now. I'm not in the mood to upset anyone. First of all, are you ever in the mood to upset somebody? Secondly, you're upsetting me right now. Lars, you know what? I'll put you through to someone who shares your enthusiasm. And I hope he's still with Yannicka. Bon, 1 sur 2. Ça, c'est cool. Ah, regardez. Il y en a un, là. C'est quoi, c'est un mâle, ça? Une femelle âgée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a des rennes. On a un joli mâle, là. 2 étoiles âgées. Ouais. Parce que pourquoi pas. Mais, je sais que vous êtes là. Ah, on a du renne, là. Des rennes, il y en a partout dans ce coin. Hein. Des rennes, il y en a partout. Mais non, il faut que je trouve un renard. Il faut que je trouve un renard roux. C'est vrai que j'en ai pratiquement pas vu des renards roux hein, sur cette map. Hein. Surtout des renards arctiques, mais en même temps, je me situe au sud de la map. Et pour trouver des renards roux, c'est... Principalement plutôt au nord de la map. Comme là, mais bon, j'y suis allé à cet endroit, mais... J'en ai pas découvert. Ce qui est étrange d'ailleurs, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je vais essayer de trouver un renard roux, hein, les amis. Regardez les amis ce que j'ai. Terminus. Je l'ai eu ? Ah, il y en avait peut-être deux. Il doit y en avoir deux, puisqu'il y en a un autre qui a kiné. Bon, bah écoutez. Ah, ah, ah. C'est quoi? C'est le renard, non? Il y en avait peut-être deux, hein. Merde, c'est où? Ah, c'est là-bas. J'allais dire... Bon, ben, j'aurais mis longtemps pour le trouver, ce renard roux, mais il serait arrivé, quand même. Hein. J'ai pas vu si c'était un mâle ou une femelle, je sais plus. C'est un... mâle âgé. Un mâle âgé 2 étoiles, en plus. C'est pas mal. C'est pas mal, je trouve, un petit mâle âgé. Bon là, en même temps, il avait aucune chance. Ouais, j'avais les bonnes balles. La 223, ça lui a enlevé 100 grammes. À peu près. Même pas. Ouais, en gros aussi, 100 grammes. Quoi. Non, mais c'est pas mal. Un petit mâle âgé. Je vais l'empailler. Ouais. Je vais l'empailler. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça va parler. Becca, hello. Do you still want to find that reindeer? Yes. I have someone on the line who knows where he is. Have a word with him. Hey, is that you? The reindeer is stuck at the blue fence. I need you to kill it immediately. What? Where? None of you dare touch him. What the hell is Yannicka doing there? Blue fence. Blue fence. But I've never killed an animal before. Oh, Jesus Christ. Mikael, can you just do it? I beg you. You haven't spoken to me for months because of that reindeer. It's not because of a reindeer, you idiot! I'm really sorry, but my livelihood hangs on that reindeer. Mikael, I really need this taxidermy mount. Encore un renne? What are you doing with your life if it depends on killing an animal? I'm asking myself the same question. It's my reindeer, and I'm gonna have it. I only need you to shoot it, Mikael. Everyone, be quiet. You can continue bickering without me. I'm signing off. No, wait! Bon. Trouver la clôture bleue dans laquelle Feu Follet s'est coincé. Just listen to me for a moment.
Feu Follet, ben c'est le reine, à mon avis, qui parle depuis tout à l'heure. Feu Follet. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est lourd, ça. Ouais. Trouver la clôture. Ah, mais ils ont pas fini de parler, là? Si bien vous, qu'est-ce que vous voulez? Les pécores. C'est la première fois que je vous entends parler aussi, ces chemins. Ouais. Mais bien, payer Feu Follet. Oui, mais vous pourrez garder son trophée après, j'en ai sûrement besoin pour un petit... Ouais. Ok, trouver la clôture bleue dans laquelle Feu Follet s'est coincé. Alors, où c'est qu'il est, Feu Follet? Hein? Ah, c'est pas fini? Mon père vous a déjà appelé. Personnellement, je suis très demandé en ce moment. Mais je vous en prie, ne tuez pas Feu Follet. Dégagez de la clôture. Oui, j'ai tué un animal piégé qui ne peut même pas s'enfuir. C'est pas faux. Je vous donnerai mon fusil de chasse. Ah, c'est pas mal ça. And if you still decide to kill him, do it at least after you free him, or don't ever speak to me again. Si je tue pas Feu Follet, elle me donne un fusil. Son fusil, quoi. Si, j'ai bien compris. Ah, il est où, Feu Follet? Ah, elle est là. Bon. Il est... Ben, il est ici, en fait. Hein. Ben, ce qu'on va faire, on va se téléporter ici. Je sais même pas s'il n'y a pas une lodge à l'endroit où... où il y a Feu Follet, là. Il y a Feu Follet. Est-ce qu'il est loin? Il est à 902 mètres. Alors on peut prendre un petit buggy. À mon avis, ça sent la fin de l'histoire, ça. Ça sent la fin. Merde, c'est où qu'on... Ah, c'est là. Alors, si je tue pas Feu Follet, à mon avis, on va avoir un choix. Ça, c'est pas mal, ça. Avec un petit choix comme ça, là... Ça peut être pas mal. Si on laisse s'enfuir, si on le dégage de la clôture et on le tue pas, et ben elle nous donne son fusil. Moi je pense que je vais prendre cette option. Parce que c'est vrai, tuer un animal qui est piégé et qui est sans défense, enfin qui peut pas se défendre, quoi. Qui est bloqué, c'est pas éthique. Hein. Pas du tout. Mais... C'est pas très éthique. Un animal qui est coincé dans la clôture, venir à côté et l'abattre. À part s'il est blessé, mais là je pense pas qu'il soit blessé. Hein. Je pense qu'il est juste coincé en fait. On va aller voir ça tout de suite. Mais si je peux avoir le fusil, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, je pense. Donc comme j'ai compris, si je ne le tue pas, et ben donne son fusil. Alors. Il est où Feu Follet? Ah! À présent, soyez prudent. La décision que vous prendrez au sujet du règne Feu Follet déterminera votre récompense. Et aussi la manière dont les autres vous traiteront. C'est ce que je... Ben voilà, à mon avis, c'est le dernier option. Ah. Abattre le renne coincé dans la clôture de la vente. Il est le vendre. Option 2, abattre le renne coincé dans la clôture et l'empailler. Option 3, dégager le renne et décider de son sort ensuite. Ah. Ah oui. Si je peux abattre le renne directement coincé dans... Sinon, je peux le libérer et je peux le tuer après. Mais oui, mais bon, j'aurais pas le droit au fusil. J'aurais... Ah, il est là. Je le vois. J'aurais pas le droit au fusil si je l'abats. Il est... Oh, il est beau, hein. Ok, il est joli, oh. Regardez ça, comme il est joli. Ah oui, il est blessé ou pas? Il est magnifique, oh. Ah, il est une...
Oh, il est magnifique. Ah oui, franchement, il est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Oh, je vais pas l'abattre comme ça, hein. Non, franchement, non. C'est ce que ça dit, abattre les reines coincées de la clôture et le vin, ou abattre et l'empailler. Regardez, il est sans défense. Bon, dégager le reine et d'ici de son sort ensuite. Parce que je vais le libérer, d'accord, mais je pense que je vais pas le tuer après. Parce que, comme j'ai compris, si je tue pas le reine, j'ai un fusil en récompense. Alors, vous me direz ce que vous aurez fait dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait à ma place. Moi, je pense que j'ai envie d'avoir le fusil en... J'ai envie d'avoir le fusil... En cadeau, quoi. There you go. Now, what should I do with you? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Janika vous a promis de vous donner son fusil de chasse gravé si vous libérez Follet. Vous pouvez désormais aller le chercher dans sa cabane. Ben voilà, regardez. J'ai un fusil en cadeau. Laissez vivre le renne et contactez. Abattre et vendre le renne, abattre et empailler le renne. Parce qu'il est où le renne? Il est parti le renne. Ah non, il est plus loin. Oui, mais... Là, j'ai le fusil en récompense. J'ai le fusil en récompense. Mais... C'est qu'il est. Mais là, je peux prendre le choix de l'abattre, si je veux. Mais j'aurais quand même le fusil en récompense. Ça serait pas très fair play, hein, je veux dire. Enfin, je sais pas ce que vous aurez fait, vous, mais... Laissez vivre le renne et contactez Janika à proximité du graffiti. Parce que si, là, je peux récupérer le fusil, par exemple. Mais si je viens à la batte, eh ben, je lui parlerai plus, en fait. Enfin, il me parlera plus. Enfin, si on suit l'histoire, hein, bien sûr. C'est pas mal qu'ils aient mis des choix comme ça, franchement. C'est intéressant. Hein. Mais je sais pas, franchement. Oui. Sincère, là. Franchement, je l'empaillerai bien, mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous me direz ce que vous aurez fait, mais là, par exemple, si je l'aborde, est-ce que j'aurais quand même le fusil en cadeau? Bah, ben, à mon avis, oui, puisque non, je pense que. Je pense que je vais pas la battre. C'est un choix que je fais. Parce que je suis pas sûr si je la bats quand même, si j'ai le fusil. À mon avis, je l'ai quand même le fusil, parce que ça m'a dit aller chercher le fusil à... Aller chercher le fusil... Aller chercher le fusil à la cabane. Parce que si... Attendez, ce que je vais faire, je vais retourner là. C'est un fusil gravé. Je vais voir si je l'ai là. Déjà. Alors c'est un fusil. Ce fusil de chasse, où c'est qui serait ce fusil? Ouais. Mais il est où? C'est lequel fusil? Hein? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Hein. Bah, c'est lequel? C'est pas celui-là non plus? Bah, merde, il est où? Ah, en fait, je suis obligé de l'épargner. Pour avoir le fusil. C'est un fusil, hein, c'est pas une carabine. C'est ce qui a marqué. Hein. En fait, il faut que je laisse tranquille, il faut que je l'ignore pour pouvoir avoir le fusil. Parce que là, je le vois pas. Hein. Pour être tout à fait honnête. Non. Franchement, les amis,
Je vais retourner là. Je pense que je vais le laisser tranquille. Parce que pour avoir le fusil, je pense qu'à mon avis, il faut pas le... Comme j'ai compris, il faut pas le... Non. Allez. Yannicka. Wisby is free. He'll live to see another day. Yes! Thank you, thank you, ah. Thank you. Est-ce que je vais avoir droit au fusil? Ah, prenez mon fusil, tiens, ouais, c'est ça. C'est ça. Pour avoir le fusil, il faut pas prélever feufeler. Lisez vos derniers mails. Ouais. Il y avait pas une... Ah merde, j'ai pas débloqué la lodge. Ah mais non, mais qu'il... Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ça me met... D'accord, ok. Je peux toujours le prélever si je veux. Peut-être plus tard. Peut-être. Est-ce que j'ai récupéré le fusil, par contre? Est-ce que j'ai récupéré le fusil? On en paiera notre petit Renpi. Alors. Est-ce que j'ai récupéré? Bah logiquement oui, puisque il serait où? Bah non, je le vois pas. Ah mais il est peut-être là, non? Ils l'ont peut-être mis directement là, non? Non? C'est lequel? Silence, non c'est pas ça. Bah merde, il est où? Bah, il est où ton fusil? Allez les récupérer, oui, mais je vais bien la récupérer, moi, mais récupérer où? Ouais, d'accord. Le récupérer où? Ok, bon, ben, on verra ça plus tard. Je vais lire les mails. Oui, d'accord, oui. C'est où pour les mails? C'est bien là? C'est là? Lire les derniers mails. Bah oui, bah alors. C'est ça? Ah, mais non, c'est ça en fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Terminé le scénario. Bah j'ai fini l'histoire en fait, hein. J'ai fini l'histoire. Ça m'a mis le succès. Terminé le... Est-ce que je peux toujours le prélever? Ah non, ça l'a enlevé, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut le retrouver plus tard? C'est ça la question que je me pose, en fait. Est-ce qu'on peut retrouver Feu Follet plus tard? Oui, mais il faut le récupérer où, le fusil? Je comprends pas. Parce que là, on a fini les missions principales. Enfin, l'histoire. On a fini l'histoire. Plutôt intéressante, franchement. Non, c'était pas mal. C'était un peu plus long que d'habitude. Bon, ça, c'est tous les... Non, ça, en fait, ça, c'est les mails, ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est marqué en anglais, je sais pas pourquoi. Jannicka, j'ai enfin établi... que c'était un jeu de groupe... Ça dit pas... Bah merde, pour récupérer le fusil, on récupère où? Ouais. Franchement, je parle pas à mon père. Hein. Et n'a rien fait de mal, sa plus grande erreur, ça a été de coincer les bois au mauvais endroit. Chose unique, pas être de la soie. J'espère que mon père ne croira jamais son chemin. Ne répondez. Je doute que vous le fassiez de toute façon. Ouais, d'accord, oui, mais. Non, mais c'est. Comment je fais pour récupérer ce fusil?
Mais il faut bien aller là-dedans pour récupérer. Non, c'est pas là-dedans, merde. Enfin, c'est pareil, tu me dirais. Mais... Franchement, je vois pas où. Où c'est que je récupère le fusil que j'ai eu là en cadeau là. Dites-le moi si vous le savez dans les commentaires, les amis. Parce que là, franchement, je comprends pas. Hein. Là, je sais pas. Je vois pas du tout. Fusil de chasse, ouais, non mais d'accord, on est tout à fait d'accord. Mais je vois pas de fusil de chasse à récupérer. Je suis désolé, moi, mais... Je vois pas, hein. Je sais pas. C'est bizarre. C'est un fusil, c'est pas une carabine, hein. C'est... Mais franchement, je le vois pas. Pourtant, elle me dit de récupérer le fusil. Mais je veux bien récupérer le fusil, moi, mais... À moins qu'il soit dans la baraque. Dans la baraque, non? Peut-être? Ça va. Il y a peut-être un endroit dans la baraque? Je sais pas. C'est possible? Ou pas? Ça m'a bien dit que... Ok... Non, 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 mais... Bon, ça, c'est une hache. Bah, merde. Ça va où, là? Ok... La cuisine. Non, non, mais je vois pas de fusil. Attends, c'est bien là, hein. Enfin, je pense. C'est bizarre. Ah oui, on va mettre le... On va mettre le renne Pi. C'est qu'il est le renne. Deux rennes des montagnes paisibles. Ok. Ah, ce que je pourrais faire, attendez. Merde, c'est ça. Voilà. Ah oui, j'ai les deux. Ce que je vais faire, je vais... Non, c'est pas là-bas. C'est bizarre ça parce que à moins qu'il faut le récupérer à un endroit, je pense, enfin j'imagine que c'est ça, hein. Dites-le moi dans les commentaires les amis, si vous avez fini le... Si vous avez fini le... Attendez. Voilà. Voilà, c'est magnifique ça, regardez. Regardez, c'est pas beau. Un albinos et un pi. Bon, c'est vraiment bizarre. Ah, mais attendez. C'est pas là qu'il faut que je le récupère, je veux que... Attendez. Attendez, attendez, attendez. C'est peut-être une connerie que je dis. Hein. C'est peut-être une grosse connerie. Hein. Ah bah non, mais il est là. C'est bien ça. Comme quoi, ah, il est beau en plus. Hein. C'est un fusil, c'est un superposé. Il est vachement stylé. Hein. Moi, j'ai récupéré. Et comme quoi, réfléchissant bien, on trouve. Ce que je vais faire, je vais me re-téléporter là-bas. Il est vachement joli le fusil. Hein. Excusez-moi si je traîne un peu, les amis, mais. Vous me direz si vous avez aimé l'histoire. Moi, j'ai trouvé pas mal, franchement. Qu'on puisse faire un choix à la fin, franchement, c'est... Non, mais ils ont bien travaillé l'histoire, je trouve, sur cette map. Hein. Par rapport aux autres, non, non, mais franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Et du coup, c'est qui est fusil, comme j'ai récupéré. Il est dans mon espace de stockage.
à mon avis. Non, il n'est pas là? Ah si, fusil feu follet. Il est beau, c'est calibre 16 de 1.5. Il est vachement beau, hein, regardez. Et pour avoir ce fusil, eh ben, il ne faut pas prélever follet. Enfin, feu follet, quoi, du moins, le renne. Si vous le prélevez, ben, vous n'avez pas droit au fusil. Comme j'ai compris, hein. Donc j'ai fait le choix de ne pas le prélever, de le décoincer, de ne pas le prélever, et j'ai eu en cadeau le fusil de chasse. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, c'est vrai que de mettre un choix comme ça, c'est pas mal. Franchement, c'est bien trouvé. Hein. Non, franchement, l'histoire, je la trouve au-dessus des autres maps. Hein. Celle de Tikamoud Plain était pas mal. La dernière... Matariki Park, là, je l'ai pas trop aimé. Mais celle-là, franchement, oui. Avec deux jolis trophées. Bon, bah, les amis, encore une fois, je vous me dirai dans les commentaires si vous avez aimé cette histoire de la map. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour de prochaines aventures sur la chaîne. Allez, ciao, bye bye.